Une vision comme si on était en pleine nature. Ah, waouh. Kuma, ourson brun de 3 ans, se dresse. Il semble vouloir se faire encore mieux admirer. Mère et fille s'enthousiasment de la nuit qui les attend. Regarde, il nous regarde, c'est marrant, on dirait qu'il va venir. Nao, le frère jumeau, lui, va se baigner tranquillement. Tout cela à quelques mètres seulement. D'être aussi près, c'est impressionnant, quoi. Je crois que je vais mitrailler de photos de partout. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir parce que on va essayer de les voir au maximum. Avec cette cabane à la vue imprenable, le parc animalier des Pyrénées permet maintenant de partager des moments privilégiés. Il y a que 2 personnes qui sont là en train de les épier. Et c'est beaucoup plus tranquillisant, beaucoup plus calme pour eux. Comme la plupart des animaux, ils sont très actifs le matin tôt et le soir tard. Les 2 oursons paraissent avoir entendu leur soigneur. Ils jouent, vont et viennent. Une occasion rêvée pour observer à loisir le comportement de ces animaux. On se demandait pourquoi ils marchaient autant. C'est... Ça, c'est les réflexes de l'ours. Un ours, ça peut parcourir 30 km environ par jour. Les ours sont leurs fans, les loups aussi. Ces 2 amis entament leur nuit de trappeurs, avec d'un côté le panorama sur la chaîne des Pyrénées, de l'autre comme un grand écran sur la meute de 7 loups. C'est elle la maman, non ? On aime les loups depuis qu'on est petite, comme d'autres aiment les dauphins. Dans le noir, le voisinage devient encore plus impressionnant. Ils sont même plus vers nous. Mais cette expérience unique a un prix, 350 euros. Et même en y passant la nuit, vous ne verriez pas ces louveteaux de quelques jours. Il a fallu aller à leur rencontre au fond de leur tanière.